Merci Seigneur. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2, qui dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, peuple au besoin, parole. Et c'est où même leur palais l'éternité envahit. C'est où même leur palais, personne pas capable d'opposer. Dans minute ça, Seigneur, peuple au besoin, tant de voix. T'en prie, palais, et peuple attendez-vous. Merci pour parole ça. Parole la vie. Parole pour transformer. Parole pour corriger. Parole pour édifier. Parole pour guérir. Parlez, papa. Peuple pour écouter. Au nom de Jésus, nos prières. Amen. Merci Seigneur. Encore une fois, mes bien-aimés, nous saluons nous dans le nom puissant de Jésus. Et nous comptons avec vous. Nous saluons évangéliste Myriam. Nous saluons toute équipe là. Que grâce et paix, bon Dieu, avec nous. Je dis à mes bien-aimés, nous arrivons dans la deuxième soirée, nous. Deuxième soirée de réveil spirituel, réveil qui a fait sous thème. Nous connaissons très bien. Et thème dit, Dieu veut de nous la transformation de l'intérieur. Et comme ça, hier, nous avons ça que transformation a payé. Nous t'ai gardé ensemble pour nous t'ai ouais qui sa transformation au payé et nous t'ai fort connaît que transformation li pas information. Gen pile monde qui recevoir information et ça pas veut dire pour autant que yo transformé. Nous recevoir des informations à partir de toute source, mais c'est pour nous capable fonctionner en dans une société, pour nous capable fonctionner dans espace donné. Donc information hein, li pas vraiment aider à transformation. Ça veut dire que le fait que me gain information, ça pas veut dire que me transformer. Notez ouais que transformation c'est pas conformation. Et ça fait texte là bien dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Donc transformation pas conformation. Conformation hein, et ben c'est prendre forme yon norme, c'est conformer à yon norme. Et ben li pas ça. Transformation, ce n'est pas conformation. Et nous te montrons que transformation, tout, ce n'est pas affectation. Il y a pile de monde qui entre dans l'église, son affectation, eh bien, ils n'ont pas transformé vraiment. Donc, ils sont là, ils recevoir, ils ont affectation, ils ont espace donné, mais espace donné, ils hein, vivent dans le camouflage. Ils vivent dans le camouflage, ils vivent, ils pratiquent une hypocrisie. C'est non hypocrisie que y a vivre. Donc yo font affectation. Donc c'est ça qui fait nous dire que transformation c'est pas affectation que lié. Et nous te voit que transformation mes bien-aimés, li pas réformation. Parce que yo changement comportement li pas c'est pas aussi évident de transformation. Donc parce que yo réformation, li la pour petit temps. Tandis que transformation lui-même, li la pour tout temps. C'est toute une vie. La transformation. Donc, on réformation, on réforme, c'est un titan. C'est chaque fait, de temps en temps, il y a passé mes ladans. De temps en temps, il y a passé mes ladans. Mais, la transformation nous montre que c'est toute une vie. Et l'y changer, c'est l'y viser la nature même de l'individu. Donc, ça veut dire, l'y aller, l'y plus profond que réformation. Donc c'est ça que nous t'ouais ensemble hier. Et dans ça ça m'est bien aimé, nous pral continuer avec vous, n'a pral entrer dans thématique là qui c'est Dieu veut de nous la transformation de l'intérieur. Ça pral mener nous à poser tête nous une question aujourd'hui à qui sa transformation en lui-même et pour qui sa bon Dieu veut de nous la transformation de l'intérieur. Pour qui sa bon Dieu veut
transformation ça. Pour qui ça c'est pas un bagage superficiel, pour qui ça c'est pas un bagage sous peau, pour qui ça c'est en dedans nous, bon Dieu besoin changer. Qui ça lié au juste. Yon nan bagay pour nous garder mes bien-aimés, nous te dit que tout d'abord si nous t'a parlé c'est pour nous capable d'où transformation de l'intérieur ou bien transformation spirituelle là, et ben c'est l'œuvre de l'esprit dans la vie d'un individu. C'est œuvre l'esprit dans la vie du monde. Donc ça veut dire c'est qui ça? Son résurrection spirituelle. Son résurrection spirituelle kay au monde qui passait de la mort à la vie. Alléluia. Car mes bien-aimés, premier pas de dans un pèlerinage qui pral mener chaque monde yon côté. Pourtant, c'est dans un espace inconnu pour capable accomplir volonté bon Dieu, pour capable accomplir dessein bon Dieu dans la vie ou parce que son route qu'on engagé, c'est sur une route qu'on monter, c'est sur une voie qu'on a marcher, c'est dans une direction qu'on peut aller et ou pas connaît qui est-ce qui peut le mener dans la donne, eh bien c'est bon Dieu qui va le conduire sur voie ça. Par le biais de qui est-ce, l'on prend Jésus, déjà nous te dit au point de départ là, et bien l'idou, lisse chemin, lisse la vie, lisse la vérité, lisse la vie. Et c'est ça que fait mes bien-aimés, la transformation de l'intérieur, la transformation spirituelle, n'est pas vini de yon moun, n'est pas vini d'une agence humaine, n'est pas vini d'une l'école. Li pas sorti dans une intervention au monde, c'est pas une intervention humaine. C'est pas un monde qui pral fèl. Donc c'est ça fait chaque jour mes bien-aimés, moi vinn plus convaincu que jamais que trop souvent œuvre ça mes bien-aimés, œuvre unique ça que bon Dieu voulait effectuer dans la vie noire, eh bien en pile fois mes bien-aimés, li rencontrer des obstacles. Li empêché par effort que nous-mêmes n'a fait qui en pile fois des fois effort qu'on bien intentionné pour accomplir pour le travail là mais ou qu'on sorti ou même pour supplanter ou qu'on sorti pour passer sous bon Dieu parce que travail ça mes bien-aimés c'est pas travail pour lier c'est pas travail pour lier c'est ça fait bien en pile congrégation qui a veillé dehors, qui a veillé dehors, qui a travaillé sous dehors. Donc, yo vin fixer regard yo sous yo même, y a gardé yo, yo placé yo, c'est yo même yo placé tête yo entre individu et bon Dieu. Yo éclipsé mes bien-aimés, image ça, image bon Dieu ya. Image ça mes bien-aimés. Donc, jodi a kite me di yo. Li important mes bien-aimés pour nous connaître. La transformation, c'est une opération miraculeuse. Pas gen aucun monde qui est capable de réaliser, j'aimerais dire. C'est ça que fait, nous te parlé de mot grec là qui traduit transformation, et bien c'est une métamorphose. Une métamorphose, c'est pas une question de connivence, c'est pas une question de manipulation, c'est pas une question de l'argent, c'est pas une question de comme si moi gen bon moi son bon moun m'a fait bonnes œuvres moi gen bon tempérament non c'est pas ça yo ça yo pas pour changer la vie yo ça yo pas pour transformer la vie yo non non c'est ça mes bien-aimés ça pour comprendre jodi a eh bien c'est qui est-ce qui pral faire travail ça qui est-ce qui pral effectuer travail miraculeux ça c'est pas l'autre monde. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut le réaliser. Mais attendez bien. Regardez qui ça le dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Par qui ça? Par le renouvellement de l'intelligence. Et regardez ça, thème dit, Dieu veut de nous, alléluia, la transformation de l'intérieur. Ça veut dire, si bon Dieu voulait, une transformation au niveau intérieur, ça prend le même qu'on y a, mes bien-aimés, dans la nature, moins.
Ça va le mener moi kounya là dans question identité. Parce que bon Dieu, li pral ban moi occasion pour me réconcilier avec lui. Car gon nature que me vinn gagner, li menem nature ça mettem dos à dos avec elle. Et pour kounya ya mes bien-aimés, pour me capable joindre transformation ça, faut que me capable kounya réconcilier avec lui. Et c'est à partir de la réconciliation ça va inaugurer kounya là un immense ça va inaugurer un gros chantier dans la vie moi qui va viser kounya là à faire de moi-même youn avec lui comme ça il va ban moi yo l'autre nature alléluia c'est l'autre nature ça que va ban moi hein qui va faire que ça possible mes bien-aimés donc ça veut dire moi pral gagner une nouvelle identité. Donc ça veut dire moi vinn une autre race en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ moi vinn une autre race. Tendez ça même apôtre Paul dit là puis bas au verset 5. Toujours dans même chapitre Romains chapitre 12 là, on nous garder ça dit dans verset 5. Dans verset 5 là il dit ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul corps en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous formons un seul corps en Christ. Et gardez bien pour mes bien-aimés. 2 Corinthiens 5, 17 l'a dit. Si quelqu'un est en Christ, qui s'allie, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Là on peut comprendre. Et il continue pour le dire. Au verset 20, il continue pour le dire. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Est-ce que nous, mes bien-aimés? Donc, nous vînons en Jésus-Christ, nous vînons un seul corps qui est constitué de plusieurs membres. Donc, nous vînons gagner, nous chaque nous vînons qualité, nous vînons gagner attribut, nous vînons en réalité membres yon à clotte. Yon à clotte. Ça vient faire que, mes bien-aimés, nous vînons en face yon mystère. Nous venons en face du mystère, c'est le mystère de la volonté de Dieu. Mystère volonté, mon Dieu, pour que mystère soit capable de mettre en exécution, eh bien, il doit préparer moi-même avec pour ça. Pas oublier, bon Dieu voulait de nous la transformation. Mais transformation, mes bien-aimés, nous devons métamorphose, c'est nature qui change, c'est même genre exemple qui prend de chenille. C'est chenille, mes bien-aimés, qui subit une transformation de plusieurs phases pour arriver dans étape papillon. En aucun cas, chenille n'est pas capable de tourner papillon. Chenille, papillon pas capable de tourner chenille. Depuis le fin transformé, les fins papillons, et puis c'est fini, c'est pour la vie. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Nous devons préparer nous pour la transformation. Parce que c'est ça Jésus vient faire. C'est ça Jésus vient faire. Et c'est ça, mes bien-aimés, objectif réveil ça. C'est pour permettre tout river. C'est pour permettre tout river comprendre dynamique ça. Permettre tout river comprendre qui mon ouye. Permettre tout river comprendre tout bon vrai qui est ouye en Christ. Et pour qui ça ou là? Pour qui ça que ou doué différent de l'autre yo? Pour qui ça que en tant que chrétien ou pas qu'assemblé monde là? Parce que bon Dieu, li vle réunir tout bagay en Christ. Li vle transformation. Hein? Li vle que ou semble l. Li vle que ou semble l tout bon vrai. Puisque ou fait ou seul avec, faut-il bien nan pense ou, nan parole ou et nan action, yo wel nan ou. Li vle réunir tout bagay en Christ. Ça qui dans les cieux et ça qui dans les cieux et ça qui sous la terre. Jean li dit nous dans Éphésiens chapitre 1 le verset 10.
Donc c'est ça qu'il faut pas le passage à pas le rejoindre. Parole Christ là, il va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer de la place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que je suis, vous y soyez aussi. Donc la Bible dit nous mes bien-aimés, lorsque nous avons rencontré le Seigneur dans les airs, nous serons toujours avec lui. Gardez pour ou pas comprendre ça. Maintenant, puisque bon Dieu voulait nous transformer, en qui ça, mes bien-aimés? En qui ça nous doit transformer? En qui ça nous doit transformer? Parce que les visées en dedans. Et c'est ça que fait apôtre là prend le soin, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Donc ça veut dire que mes bien-aimés, gagnez conformé et gagnez transformé. Gagnez conformé et gagnez transformé. Au lieu que vous conformez à monde là, vous devez transformer. Parce que l'on conformé, vous pouvez prendre forme monde là. Vous pouvez prendre forme monde là. Vous pouvez sembler monde là. Et ça qu'elle donne, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais sujet à c'est qui ça? C'est soyez transformé. Bon Dieu voulait transformation. Donc être transformé voulait dire qui ça? L'aile de bon Dieu voulait transformer où? Bon Dieu voulait transformation, ça veut dire livre changer forme. Ça veut dire livre que on vienne prendre une forme qui est différent de forme tout le monde connaît. Ou qu'a demandé tête tout, c'est ça oui. En qui ça moi doit transformer? Qui forme moi doit gagner? Son nouvelle forme que moi doit gagner. Qui forme que moi doit gagner? Qui forme que je dois prendre? À qui mon me doit sembler? En qui ça me doit transformer? Tendez bien. L'idée ou ça, réponse en simple, mes bien-aimés. Christ, apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 19, il va dire, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais qui forme Bougain? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Regardez qui m'ont utilisé. Formé. Ça veut dire Christ qui vit, qui vit dans nous, hein? C'est une nouvelle forme ça que nous devons gagner. C'est Christ qui vit dans nous, hein? Mais forme pour gagner. Hein? Nouvelle forme que l'a demandé nous là, lorsque il dit nous, c'est pour nous transformer. Lorsque il dit bon Dieu voulait pour nous transformer, eh bien c'est forme ça pour nous gagner. Nouvelle forme pour nous gagner, c'est forme Christ là. C'est Christ qui vit dans nous, et bien c'est nouvelle forme. Et l'on regarde Colossiens chapitre 3, le verset 2, qui ça le dit nous. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Donc mes bien-aimés, je dis à comprendre bien, parole bon Dieu, qui rive joint nous là, parole ça qui rive joint nous, eh bien, li traite en réalité de la transformation radicale de l'homme. Parce que de tout message Bible là, li vise transformation. Et qui transformation? Transformation radicale. Dans façon d'être ou, et dans façon vivre. Dans façon que ou y est, et dans façon que ou vive. C'est ça que fait mes bien-aimés, une fois que vous optez pour changement ça, une fois que vous acceptez Christ, une fois que vous acceptez Christ, eh bien vous acceptez pour prendre forme Christ, la paix bon Dieu avec vous. Vous acceptez pour prendre forme Christ, donc ça veut dire que vous pral gagner une réorganisation qui pral fait dans la vie. Vous pral gagner un réarrangement, l'on prend un caille. Ou entre dans kay la chaque année mes bien-aimés n'a changé meuble position, chaque année n'a changé meuble place, chaque année n'a fait nettoyage, n'a rangé une série de bagages dans kay la, n'a viré meuble position, n'a changé meuble, n'a changé tout bagage pour nous bay kay la un autre look. Et bien c'est même genre le Christ vini, et bien transformation qui va faire là, il va organiser, il va réorganiser la vie ou. La vie on pral réorganiser qu'on y a en conformité. Alléluia. Mais forme qu'on pral prendre des préceptes de Dieu.
parole bon Dieu kounya li pral vini yon impératif pour la vie ou li pral vini yon impératif pour ou pour vivre selon la parole de Dieu. Ça fait parole la kounya mes bien-aimés, Jésus kounya pral vini centre la vie ou. Cantique la 12, Jésus soit le centre. Donc Jésus pral vini centre la vie ou. Lorsque ou transformé, Jésus pral vini centre la vie ou. Les choses d'en haut pral vini avant toute bagaille ou pral affectionner les choses d'en haut. Jean chapitre 1er, le verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, Jésus-Christ, celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, je dis, l'important pour vous connaître, pour identifier vous. Ou doit précis en ce qui concerne l'identité ou non, bon Dieu. Ou pas doué dans flip-flap. Identité ou non, bon Dieu, pas doué gain. Li pa dwe gen ou li mde bo la dan. Ou pa dwe la loz nan identité ou. Est-ce que c'est pour bon Dieu ye? Est-ce que c'est pour l'autre lo ye? Parce que gen pile Dieu mes bien-aimés. Gen des milliers de Dieu de yo a. Bon bon ti Dieu de yo a. Si c'est pas des millions chargés, mais ou même qui Dieu a servi. Notre Dieu est celui que Jésus-Christ est venu nous faire connaître. C'est sa parole l'a dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, Jésus-Christ, celui qui l'a fait connaître. C'est Dieu ça n'a pas servi. Et je dis à identité, mais c'est pour identifier à Dieu ça. C'est pour identifier à Dieu ça. Parce que lui dit, c'est nature qui changeait. Et c'est ça qui fait lui réconcilier avec lui en Jésus-Christ, de façon à ce que nature ça, mes bien-aimés, nature pécheresse là, qui pas capable jamais permettre tout réconcilier, qui pas capable jamais permettre tout river sembler, eh bien lui changer. Et ça fait jodi a ou pral besoin identifier kounya la caractéristique ou vie qui transformer. Lorsque bon Dieu voulait mes bien-aimés pour transformer, li vle transformation, li vle transformation, et qui transformation ou regarder là, c'est pas deux on cap parler là mes bien-aimés. C'est pas sous pronom, c'est pas en question de changer couleur. Gen moun ka paret sou li ou te konnen te noir et puis on bon maton levé ou men longue cheveli, chevel blanc et pour li tournon on blanc sou. Et pas transformation ça n'a pas parlé mes bien-aimés. Ou pas reconnaître li c'est vrai, ou elle changer. Parce qu'on konnen te fafro, on bon maton levé ou men longue chevel. Ou te connais le début, ou te couleur noir, couleur ou li blanche. Et pas transformation, ça n'a pas parlé. Ça sont, c'est sous peau, son bail superficiel. N'a pas parlé la transformation en dedans. C'est là, bon Dieu, à le chercher. C'est là, bon Dieu, voulait. C'est ça, bon Dieu, à chercher, en dedans. C'est ce qui est important pour lui. Qui caractéristique ou vie qui transforme mes bien-aimés? Bon Dieu, pas voulait. Ou conformé ou. Li pa vle ou conformé nan mon. Li vle que ou transformé. Pour sembler, pour vivre pour li. On vit qui transformé ou pral ouè ça. Moun sa pral marcher selon volonté bon Dieu. Moun sa pral marcher selon volonté du Saint-Esprit et non de la chair. Moun sa pral marcher par l'Esprit. Moun sa pral un chrétien spirituel et non charnel. Yon moun ki transformé en Christ mes bien-aimés. Li pral prend distance li à tout sacré le péché. Li pral prend distance li à tout ça qui déplaît bon Dieu. À tout ça qui pas fait bon Dieu plaisir. À tout ça qui contraire à volonté bon Dieu, li pral prend distance li avec. Ça c'est yon moun qui transformé. Ou pap jam jwenn yon moun qui transformé qui pral marcher dans impudicité, qui pral marcher dans impureté, qui pral marcher dans idolâtrie, qui pral marcher dans magie. Qui pral nan kayougan, qui pral nan voye al gade pou li. Qui pral ou pap jam jwenn moun ki transforme, qui pral fè ti dife vole. Nan groupe la, nan l'église la. Li pap nan jalousie. Li pap nan querelle, li pap nan fè ti dife vole. Li pap nan chauffer moun, li pap nan discussion, li pap nan division. Li pap nan convoitise. Li pap nan excès de tabe tout chose semblable. Li pap la dan yo. Ça c'est yon vie qui transforme. Yon moun qui transforme, bien aimé, c'est yon moun qui gen Christ
Christ a vivre dans lui et tout mon appel. Ça veut dire, il fait choix pour adopter comportement Christ. Il fait choix pour dire même gens avec apôtre Paul, c'est pas moi qui vive, c'est Christ qui vive dans moi. Donc ça veut dire, qui ça va le produire? Il va le produire, vie ça mes bien-aimés, il va le caractériser par l'amour. Il va le caractériser par la joie. Il va le caractériser par la paix. Patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur et tempérance. Les fruits de l'esprit, c'est ça moun ça va le produire. Galates 5 18 22. Donc mes bien-aimés, ça pour comprendre jodiya, c'est pour connaître que bon Dieu voulait de où l'attend la caillou, li vle pou ou transformation ça. Mais pi gros bagay là, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que li bon parole là, et la parole jodiya, c'est la parole qui transforme. La parole transforme. Parce que Romains chapitre 10, le verset 17, il dit non, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si jodiya, le Seigneur faut grâce au temps des paroles ça. Si je dis à le Seigneur faut grâce au capable participer dans semaine de réveil ça, c'est pour capable vivre dans l'autre monde. C'est pour capable sembler à Jésus-Christ. C'est pour capable parler même gens avec lui. C'est pour capable marcher même gens avec lui. C'est pour capable faire ça le faire yo. C'est pour capable vivre dans l'autre monde. Monde que bon Dieu voulait que ou ya. C'est pour ça le voyer parole ça pour aujourd'hui. C'est pour ça livrer que ou transformer. C'est pour ça livrer que en down nature ça que li changer a et mais livrer que ou vive à partir de lui. Et qui ça on t'a remet que ou kembe jodi a de parole ça. Qui ça on t'a remet kembe jodi a de thème ça que bon Dieu qui voulait transformation, bon Dieu qui voulait transformation connaît bien. Nous tout capteur de la frère sœur mio. Nous devons comprendre. Eh bien, ou pas capable transformer sans que Christ pas dans la vie. Ou pas capable, yo chrétien authentique, si ou pas transformé. En pile moun fait partie de l'église. En pile moun fait partie de ça que yore l'église. Mais de qui ça yo soucié yo? Yo soucié yo de changement dans façon pour un soupo. Mais qui te me dit ou de soucier de comportement de changement radical de tout ou même en général. C'est tout ou même qui doit changer. C'est tout ou même qui doit transformer. Tout monde qui va transformer, eh bien mes bien-aimés, kafoku lakma. C'est qu'on pas de jambes qu'on est bon Dieu. Ou c'est dans la catégorie monde qui renie. C'est que ou pas de subi nouvelle naissance là. Ou refuser transformation. Parce que je dis, c'est pas une question de effort, mais c'est une question de foi agissante. Ou fait pour agir la foi aujourd'hui. Ou fait pour manifester. La manifester chaque jour dans la vie. Ou. Et c'est ça qui va le permettre. Ou. Même Jean avec apôtre Paul, eh bien pour être capable de dire, c'est pas moi qui vive, eh bien c'est Christ qui vive dans moi. Et comme ça, apôtre Paul t'a dit à Zoilio de l'église de Corinthe, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Alléluia. Je dis à qui t'aime dire, frère Semio, lorsqu'on transforme, deuxième souci pour gagner, eh bien c'est annoncer bonne nouvelle là. Chrétien qui transforme, là, il pas jamais pas parler de Jésus quel que soit côté le passé c'est pour le bailli. Il pas jamais pas annoncer bonne nouvelle là. Tout côté le passé c'est pour le bailli. Quel que soit côté le passé c'est pour le bailli Jésus. Avant de retourner à joindre papa Christ tenu pour le demander nous on bagaille. Allez dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du Christ. C'est ça le demander nous mes bien-aimés pour nous faire. Donc je dis aux grandes responsabilités pour nous aller pour nous faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc je dis à l'imam des noms, ou même qui transformé, c'est pour annoncer la bonne nouvelle.
quel que soit côté passé, quel que soit côté passé, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Car je dis à qu'on est bien. C'est pas pour conformer, mais c'est pour transformer. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur aide à marcher dans la transformation. Que le Seigneur aide à vivre la transformation pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.